Je vous salue au nom de Jésus et je bénis Dieu pour ce premier jour d'enseignement. Nous avons eu à prier pendant 2 jours afin vraiment de lancer ce jeûne de 40 jours. Mais pendant que nous serons en train de jeûner, nous allons enseigner sur la guérison des blessures de l'âme. Amen. Venez vraiment avec vos amis, vos frères et sœurs, même s'ils ne sont pas en état de jeûne, ce sont des enseignements qui transforment une vie. Amen. Ces enseignements m'ont transformé moi-même et d'ailleurs continue à le faire. Aujourd'hui, nous allons introduire notre sujet, dont nous allons être dans les définitions et donner un exemple ou 2 ou 3 des personnes qui ont eu des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries, d'autres guéries, et nous allons prier. Le Seigneur m'a convaincu déjà que le premier et le deuxième jour, il a fait des grandes choses, et vraiment, retenez votre témoignage. Alléluia. Hier, alors que nous avions clôturé le culte, alors que je voulais sortir, j'ai vu une sœur. Elle est restée là, je crois, jusqu'à 21h, 22h, dans la présence de Dieu. Et je me suis approché d'elle pour lui dire qu'est-ce qui se passait. Elle était comme scotchée, collée par la puissance de Dieu qui l'empêchait de rentrer. Et je lui ai dit, as-tu déjà vécu ça? C'était sa première fois. Et je crois que de telles choses vont t'arriver. Pas pour te donner seulement des sensations, mais pour vraiment transformer ta vie. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, fais-en une requête. C'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Cela va beaucoup t'aider dans la prière et ta vie chrétienne. Nous sommes debout pour lire Ésaïe 61, verset 1. Vous y êtes? Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous allons faire une longue lecture, mais pas très longue, dans 2 Samuel 13, verset 19 à 32, un exemple des blessures intérieures dans une famille. 2 Samuel 13, 19 jusqu'à 32. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Tsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur a les tondeurs que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?
Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme il était en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. » On peut répéter ce dernier verset. Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. » Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La guérison des blessures de l'âme. On le dit aussi dans d'autres termes, la guérison des blessures intérieures, c'est la même chose. Bien-aimés, lorsque nous lisons Ésaïe 61, verset 1, c'est une prophétie messianique. Ésaïe est l'un des plus grands prophètes de la Bible qui a le plus prophétisé sur la venue du Messie. Et dans sa prophétie, il parle du ministère de Jésus-Christ, les priorités du Messie. C'est que le Messie viendra accomplir en premier. Et au premier verset déjà, pas le deuxième ni le troisième, mais déjà au premier verset, révélant l'importance de ce que sera la mission de Christ, et nous voyons même dans Luc 10, verset 25 à 37, il y a des confirmations d'Ésaïe. Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. » Cela révèle que l'une des premières missions, l'une des priorités de Jésus-Christ dans la vie de l'humanité, dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle, mais aussi de guérir son cœur brisé. Pourquoi Jésus-Christ s'occupe si prioritairement, si on peut le dire, du cœur? C'est parce que le cœur est le moteur de l'homme. Le cœur est la source de la force. La Bible dit « Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui proviennent les sources de vie. » Donc si un cœur est malade, toute la vie de l'homme est malade. Si un cœur est blessé, toute la vie de l'homme est malade. Et lorsque je parle du cœur, je ne parle pas de ton cœur physique, mais je parle de ton âme, Dans la Bible, deux fois, le cœur, c'est l'esprit, deux fois, le cœur, c'est l'âme. Mais quand je parle du cœur, je parle de l'âme. Le cœur, c'est la source. Amen. Ainsi, frères, sœurs, tu peux avoir un esprit sauvé parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu peux avoir une âme malade.
C'est pourquoi on dit ceci, nous sommes sauvés dans notre esprit, nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme et nous serons sauvés dans notre corps. Notre esprit est déjà sauvé, né de nouveau. Mais notre âme est en train d'être sauvée, c'est-à-dire est en train d'être travaillée par la parole, travaillée, transformée par la parole et par le Saint-Esprit pour l'amener à la ressemblance de Christ. Et notre corps sera sauvé parce que malgré que nous sommes nés de nouveau, nous vieillissons, nous tombons malades, nous sommes faibles, nous sommes mortels. Et le corps sera sauvé le jour où il sera ressuscité et portera le corps glorieux comme Jésus. Donc là, nous sommes en train de parler de ton âme, qui peut être malade même si tu es né de nouveau. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés de dire comment ce frère se comporte mal comme ça. Comment ce frère réagit mal comme ça. Pourquoi ce frère est toujours triste? Pourquoi il est renfermé malgré qu'il prie, il parle en d'autres langues? Souvent, c'est un problème de l'âme. L'âme qui n'est pas traitée, l'âme qui n'est pas soignée. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est aussi venu pour guérir les cœurs brisés. Parce que autant l'os peut être brisé, le cœur peut être brisé. Et tu peux être assis là, tu as un cœur brisé. Par beaucoup de choses dont nous parlerons. Et j'aimerais vraiment vous demander, et je prie le Seigneur, que tu ne puisses pas seulement entendre ce message, mais qu'il puisse vraiment te guérir, car une personne blessée ne fera que blesser les autres. Une personne qui a une âme malade ne vivra jamais sa destinée, jamais. Une personne malade ne peut devenir un athlète. Une personne malade ne peut faire un sprint. Et une personne qui a une âme malade ne peut servir Dieu au maximum. Tu auras toujours des limites dans ta manière de servir Dieu. Tu auras toujours des limites dans le plan de Dieu pour toi. Et tu blesseras même les personnes qui sont venues pour t'aider. Tu blesseras les personnes que Dieu a envoyées vers toi pour te faire du bien, mais comme tu es malade, tu blesseras aussi les autres. Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des blessures intérieures. Et il dit ceci, « L'onction du Seigneur est sur moi pour... » Bien-aimés frères et sœurs, l'onction de Dieu vient, pas seulement pour faire marcher les paralytiques, pas seulement pour ouvrir les yeux des aveugles, pas seulement pour faire entendre les sourds, mais aussi pour guérir les cœurs brisés. Pendant que je serai en train d'enseigner, et même avant même que je prie, la parole de Dieu contenant l'onction du Saint-Esprit va opérer dans ce message pour guérir ton cœur. Ainsi, tu pourrais être là, tu étais en colère, fâché, mais quand seulement tu entends la parole, tu sens la plaie se cicatriser, car l'onction est suffisante pour cela. Je dis, l'onction est suffisante pour cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, une deuxième chose qui guérit les cœurs, Romains 5, verset 5, en plus de l'onction, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit, or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Alléluia. Le Saint-Esprit est un médecin qui habite en toi pour te guérir. Et le Saint-Esprit est la seule personne capable de toucher une âme blessée pour la restaurer. Ce qui fait que les psychiatres, les psychologues se battent, mais ils n'y arrivent pas. Et les hommes modernes perdent leur argent auprès de psychiatres, des psychologues. C'est vrai, ils peuvent faire quelque chose, mais leur impact est limité parce qu'il y a des blessures qui ouvrent des portes aux démons qu'un psychiatre ne peut guérir. Le Saint-Esprit.
Pendant que je serai en train de te parler, le Saint-Esprit va te parler et il va te dire ce que tu dois faire pour être guéri. Mais la chose principale que le Saint-Esprit fera, c'est qu'il répandra l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. La plupart des temps, les blessures proviennent d'un manque d'amour. Sur 10 blessures, la plupart des temps qui disent « j'ai été blessé », c'est « on ne m'a pas assez aimé ». J'ai aimé, mais on ne m'a pas aimé. J'ai aimé, mais on a été ingrat. Je n'ai pas reçu suffisamment d'amour de mon père. Je n'ai pas suffisamment reçu d'amour de ma mère, de ma femme, de mon mari, de mes amis. On a blessé mon amour propre. On a blessé ma personnalité. La plupart des temps, c'est un problème d'amour. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il répand l'amour de Dieu dans ton cœur qui est capable de te guérir de tout manque d'amour des humains. Un homme qui sait que Dieu l'aime ne sera jamais plus blessé par le manque d'amour des hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ, le blessé, n'était pas blessé parce que le Père l'aimait. Jésus, à la croix, n'avait pas des blessures intérieures. Il n'avait que des blessures extérieures. Il était blessé dans sa main, dans son crâne, mais pas dans son cœur. Pourquoi? Il savait que le Père l'aimait. Alléluia! C'est pourquoi Mourin dit « Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. » Il savait que son Père l'aimait. Bien-aimés frères et sœurs, un homme qui sait que Dieu l'aime n'est pas blessé quand les hommes ne l'aiment pas. Un homme qui sait que Dieu l'aime n'est pas blessé quand les hommes le rejettent. Un homme qui sait que Dieu l'aime n'est pas blessé par les trahisons des hommes. Un homme qui sait que Dieu l'aime n'est pas blessé par les critiques des hommes. Un homme qui sait que Dieu l'aime n'est pas blessé par les déceptions des hommes. Un homme qui sait que Dieu l'aime n'est pas blessé par l'abandon des hommes, car il sait que derrière l'abandon des hommes se cache la direction divine, se cache le plan de Dieu. Il ne pouvait être, stabilisez mon son s'il vous plaît, il ne pouvait être à 2, à 3, à 4 sur la croix car le crucifié est seul. Ainsi, alors que les disciples l'abandonnaient, lui ne voyait pas l'abandon des disciples, mais voyait le plan de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'aime, derrière même les choses mauvaises, tu peux voir les bonnes choses car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ton père ne t'avait pas abandonné, tu n'allais pas chercher Dieu comme tu le cherches. Voilà que tu deviens un grand homme. C'est l'amour de Dieu. Si ta mère était vivante, tu n'allais pas te consacrer comme tu te consacres. Voilà que Dieu a sorti du mauvais ce qui est bien. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es une belle créature. Tu es un élu de Dieu. Dieu pense à toi. Dieu te connaît par ton nom. Dieu vient à toi même si personne ne te visite. Dieu dort avec toi même si personne ne veut de toi. Dieu connaît ton numéro de téléphone et ton adresse même si personne ne fait de visite. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs est source de guérison. Que l'amour de Dieu soit répandu en toi. Et que tu apprennes à t'aimer au point où personne ne peut te blesser. Oui, frère, l'amour de Dieu t'amène à t'aimer au point où personne ne peut plus te blesser. Qu'est-ce que tu peux me dire qui peut dépasser ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu me dis bête, quand je priais, Dieu m'a dit je suis intelligent. Monte, descends, je suis intelligent. Alléluia. Tu dis, il est court, mais quand je priais, Dieu m'a dit, vaillant héros, géant. Moi, je ne suis pas court, je suis géant. Dieu m'a dit, je suis géant. Tu dis que je suis pauvre, alors que Dieu me dit que je suis riche. Je n'ai point à être blessé par ce que tu dis, parce que celui qui est plus que toi-même, celui qui est plus que toi-même, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, guérit nos cœurs. Dis-je Dieu m'aime. Dieu m'aime. Ne doute jamais de ça.
C'est pourquoi lorsque le diable veut te blesser, il n'attaque pas d'abord ton assurance par rapport à l'amour des hommes, il attaque ton assurance par rapport à l'amour de Dieu. Car si tu doutes que Dieu t'aime, alors les hommes te blesseront. C'est pourquoi il t'amène, est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Si tu doutes que Dieu t'aime, oh, les insultes vont te toucher et t'atteindre. Mais si tu as l'assurance que lorsque Jésus mourait à la croix, il ne mourrait pas pour nous, il mourrait pour toi. Si il n'y avait que toi sur la terre, Jésus serait venu que pour toi. Il y aurait une croix que pour toi. Bien-aimé, une personne qui sait et qui sait et qui sait cela, qu'est-ce que tu lui feras? Tu l'insultes? Tu le rejettes? Ça fait quoi? Ça fait rien. J'ai une plus grande relation que toi. J'ai quelqu'un de plus important que toi dans ma vie. Alléluia! L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maman, avant que ton mari te dise « je t'aime », Jésus l'a déjà dit. Et même si aujourd'hui ton mari t'a pas dit « je t'aime », c'est pas grave, tu as déjà consommé un plus grand « je t'aime », le « je t'aime » céleste. Mon frère, ton père jamais t'a encouragé dans la vie, c'est pas grave, le Père céleste dit « avec moi tu feras des exploits ». Alléluia, l'amour de Dieu. Dis « Dieu m'aime ». Et je m'aime. Tu t'aimes? Qui s'aime ici? Tiens-toi debout, dis Nami Lingaka. Ezali Soumoute. Ezali Soumoute. Nami Lingaka fort. Alléluia. Mais il fut un temps, je ne m'aimais pas beaucoup. Parce que mon petit frère était plus grand de taille que moi. Et j'étais blessé. Oui, vous savez, quand on est enfant, ces choses-là blessent. Parce que tu dis, je suis le grand frère, j'ai dû être plus grand de taille que lui. Et des fois, les gens confondent. Ils disent, tu es le petit frère? Non, je suis le grand frère. Oh, mais ton petit frère est plus grand de taille que toi. Mais tu es court, tu es court, tu es court. Et ça te blesse. Et quand tu vas à l'école, on te met toujours devant, la première rangée. Et d'autres blessent. Ils disent, Batami kousse li bosso. Et toute ma vie, je n'ai jamais été derrière sur les photos. Toujours devant, 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 devant. Si j'ose être derrière, on ne me verra pas. Et je ne m'aimais pas beaucoup dans ce domaine-là. Je savais que j'étais beau, je savais aussi que j'étais court. Ah, pourquoi il dit qu'il est beau? Je suis beau. Pendant ces Alpha 40, tu seras guéri. Tu vas t'aimer. Tu vas te regarder dans le miroir. Tu vas dire, ça m'appelle ce là bien. Donne-moi la main. Alors, des fois je disais, mais lui, quand est-ce qu'il grandit? Nous mangeons la même nourriture. Qu'est-ce qui se passe? C'était la génétique. Lui, il avait pris du côté... Et moi, j'ai pris de l'autre côté. Alléluia. Et vous voyez, quand on grandit, le petit frère, maintenant, des fois, il te regarde comme ça. Et quand tu es païen, tu aimes une fille, elle t'aime bien, mais elle dit, tu es court. Ça blesse. Mais le jour que je me suis converti et que Jésus s'est donné la peine de venir dans la salle de bain de cet homme court et il m'a appelé par mon nom, Marcelo. Et il a commencé à me dire, je ferai. Je vous assure, c'est seulement quand je parle comme ça court, mais j'ai oublié que je suis court. Hein? Non? C'est pourquoi quand je voulais me marier, j'ai épousé une femme grande, parce que j'avais oublié. Et je vous assure, Dieu me voit. Quand je suis à côté d'elle, je la trouve pas grande de taille. Même pas, je la trouve pas grande de taille. Kuta kumu koma mkuse alandanga. Alléluia. Mon fils maintenant, il est presque là. Oracle a 10 ans, 11 ans, il est là. Ça me fait rien. Et puis je dis, il faut vite grandir pour devenir mon garde du corps. Ça ne me fait rien. Je m'aime. Pourquoi?
Le grand Dieu m'a aimé. Amen. Tu es extraordinaire. Amen. Un roi est venu sur terre pour toi. Amen. Tu es extraordinaire. Amen. Dieu en personne est mort à la croix pour toi. Tu es extraordinaire. Jésus, quand il intercède à la droite de Dieu le Père, il cite ton nom. Tu es extraordinaire. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Tu es extraordinaire. Tu es un plan pensé manifesté. Tu es extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquez certaines personnes, on n'arrive pas à les blesser. Pourquoi? Elles ont un grand réservoir d'amour que tu ne peux pas l'atteindre. Il entend l'amour de Dieu dans son cœur et quoi que tu fasses, tu ne l'atteindras jamais. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Toi qui penses être maudit, tu n'es pas maudit. Si tu étais maudit, tu n'entendrais pas une telle prédication. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te faire souffrir, mais il a un plan merveilleux pour toi. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois le dernier, mais il a un plan pour toi. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te maltraiter, mais il a un plan. L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et source de guérison. Mes frères, quand vous priez, prenez le temps de savourer l'amour de Dieu. Des fois, quand tu pries, reste calme et sens comment Dieu t'aime. Sens comment Dieu t'aime. Voyez une femme, le jour seulement qu'on lui dit « je t'aime », elle devient belle, n'est-ce pas? Et les gens qui maîtrisent ces choses disent « yobalingyo, balingyo, point, yobalingyo, yobalingyo, yobalingyo ». J'ai rien dit. Pourquoi? Quelqu'un lui a dit « je t'aime ». Donc quelqu'un l'a apprécié. Et du coup, elle change sa manière de s'habiller. Elle change tout. Elle sourit tout le temps. L'amour d'un homme donne la joie. Mais alors l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pourquoi, quand nous devenons chrétiens, Satan aime toujours nous déconnecter de la source de l'amour de Dieu afin de faire de nous des chrétiens tristes parce qu'il sait que si tu t'exposes à l'amour de Dieu, il y a tellement de choses qui quitteront ton cœur. Tellement de choses, mon frère, tellement de choses. Et je prie que tu rencontres cet amour pendant ce Alpha 40. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Une blessure intérieure, c'est une faiblesse due à un traumatisme connu par l'âme. C'est une faiblesse. Une faiblesse. Et quand on dit faiblesse, c'est dire manque de force. Les personnes blessées ont un problème, c'est qu'elles connaissent un traumatisme. Un traumatisme, c'est dire un grand choc au niveau de leur âme, au niveau de leur cœur. Et cela engendre une faiblesse, une perte de force, une incapacité de faire ce que les autres âmes peuvent faire. Certains, c'est une incapacité d'aimer. Il connaît un traumatisme au niveau de son âme qu'il y a une faiblesse. Il ne sait plus aimer. Il ne sait plus aimer. Il peut décider d'aimer, mais il est incapable d'aimer parce qu'il avait tellement aimé qu'il a été blessé. Il devient incapable d'aimer. Ce n'est pas qu'il ne le veut pas. Son âme devient incapable d'aimer. Il ne sait plus ressentir de l'amour pour les gens. Il ne sait plus se donner à quelqu'un. Il ne sait plus avoir confiance en quelqu'un. Il ne sait plus se dévoiler à quelqu'un. Il ne sait plus croire même en l'amour. Quand tu lui dis « je t'aime », il ne croit plus parce qu'il y a une faiblesse qui a été déclenchée par un traumatisme. Si tu sens en toi une faiblesse dans ce domaine, vérifie, il y a une blessure qui est cachée. Moi, je n'arrive plus à aimer, je n'arrive plus à pardonner, je n'arrive plus à supporter les défauts des autres, je n'arrive plus, je n'arrive plus, je n'arrive plus à être sensible aux problèmes des autres, je n'arrive plus à compatir à la souffrance des autres. Si tu vérifies, c'est qu'un jour, tu avais tellement compati,
et qu'en retour, tu n'as reçu que de l'ingratitude et ton âme a été blessée et ton âme refuse d'aller à nouveau sur le chemin qu'il avait blessé. Refuse d'aller à nouveau sur le chemin qu'il avait blessé. Si tu ressens en toi, hier ton âme avait beaucoup de capacités, mais aujourd'hui ton âme faiblit, vérifie, il y a une blessure quelque part. Une blessure quelque part. Quand tu es blessé au niveau du muscle, le muscle qui pouvait se tendre facilement n'arrive plus. Et quand tu es blessé au niveau de l'âme, l'âme qui pouvait ne sait plus, ne sait plus. Tu as même peur. Tu as même peur de livrer ton âme comme tu l'avais livrée un jour. C'est pourquoi les déceptions amoureuses sont à prendre au sérieux. Si tu as connu une déception en amour, tu ne dois pas seulement sortir de la relation. Tu dois vérifier si cette déception n'a pas affaibli ton âme de peur que quand tu vas te marier, tu puisses te marier avec une âme qui est faible et qui sera incapable d'aimer ton prochain mari ou ta prochaine femme ou d'aimer ton conjoint, ta conjointe ou même d'aimer tes propres enfants quand vous voyez quelqu'un est parent. Mais il n'aime pas ses enfants, c'est parce que dans l'éducation qu'il a reçue, son père ou sa mère l'a tellement blessé qu'il va dans le mariage avec une âme faible et se sent incapable de donner de l'amour à ses enfants parce que lui-même n'en a pas reçu. Tu dois vérifier cela, mes frères, parce que des fois, vous le savez d'ailleurs, en médecine, on vérifie toujours si une plaie est réellement cicatrisée, parce qu'en apparence, elle peut être cicatrisée, mais au fond, elle continue à exister. Et le jour qu'on touche à l'endroit, il y a la douleur. C'est pourquoi certains qui sentent encore la douleur protègent l'endroit qui a été blessé, mais ça devient une faiblesse, car à force de protéger l'endroit qui est blessé, imagine si tu fais ça pendant 10 ans, cette main va s'atrophier parce que tu fais toujours ça. Et quand tout le temps tu protèges ton cœur, tout le temps tu protèges ton cœur, tu évites qu'on te blesse, tout le temps, même ton âme devient infirme et prend une forme qui n'est pas la forme de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi certains ne veulent même pas avoir des amis. Ils ne veulent pas des amis. Il dit, je ne veux pas de problème, parce qu'il a eu des amis, il a aimé des gens, il s'est ouvert à des gens, mais il n'a reçu que des blessures. Et la seule manière de se protéger, c'est de se cambrer, de se renfermer, comme vous connaissez le mille pattes, on appelle ça mille pattes. Hein? Le mille pattes, lorsque tu le touches, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enroule rapidement et il y a des gens qui sont comme ça. Si c'est comme ça que tu vis, tu réagis, il se peut que quelque part, tu as une blessure qui est en train d'agir. Certains le savent et d'autres ne le savent pas. Une blessure intérieure, c'est une faiblesse due à un traumatisme connu par l'âme. C'est une blessure. Et quand on parle de blessure, il y a douleur. Douleur. Et quelqu'un qui a une blessure intérieure a une douleur, mais pas une douleur physique, mais une douleur émotionnelle, mais qui peut devenir une douleur physique, j'en parlerai, mais je peux toujours déjà en parler. Une blessure de l'âme peut devenir aussi une douleur du cœur physique. Une blessure de l'âme peut devenir une douleur à l'estomac. Une blessure de l'âme peut devenir une douleur au niveau de la tête. Mais d'abord, c'est une douleur, douleur. Et quand on parle douleur, on voit les cris, on voit les pleurs. Quelque chose qui te fait pleurer. Quand seulement tu y penses, tu pleures. Certains, même les parents sont morts il y a longtemps. Si seulement ils pensent, ils pleurent. Il va même dans un deuil, c'est le deuil de quelqu'un d'autre, mais il pleure. Mais il ne pleure pas la personne qui est morte, mais il pleure son père, sa mère, et reste dans un deuil éternel. Les endeuillés permanents ne vivent jamais le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu fixait même pour Moïse un temps pour le deuil, mais un temps pour passer à autre chose. Si tu es dans un deuil éternel, et là vraiment l'Esprit de Dieu me dit de le dire, ce n'était pas prévu aujourd'hui, si tu es dans un deuil éternel, depuis que tu pleures ton père, ta mère, quelqu'un que tu as beaucoup aimé, tu n'en sors pas,
tu ne vas jamais décoller dans la vie. Jamais, parce que la tristesse n'est pas un carburant pour devenir grand. Je répète, la tristesse n'est pas un carburant pour devenir grand. Alléluia. Tu dois arriver à arrêter ton deuil. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Et tu dois tourner la page et continuer. Car nous ne sommes pas comme les païens qui pleurons comme les païens. Nous pleurons avec une espérance. Surtout si la personne perdue était chrétienne, tu ne peux pas la pleurer comme un païen. Tu peux pleurer un païen de compassion parce qu'il est allé en enfer, mais un chrétien qui meurt, tu ne peux pas le pleurer comme un païen parce qu'il t'a précédé chez papa. Amen. Hein? Il t'a précédé chez papa. Il est retourné au père. As-tu une douleur? As-tu une douleur? Des fois, la douleur peut cicatriser d'apparence, mais exister toujours. Il suffit seulement de réveiller quelque chose, ça revient. C'est que tu as encore un problème dans ce domaine. Tu es guéri lorsque tu n'as plus de douleur. Ou tu peux même parler. Vous voyez, comme j'ai parlé de mon enfance là, vraiment, ça ne me fait rien du tout. Et d'ailleurs, si Dieu me dit que non, il veut m'ajouter, je refuse. Amen. Amen. Hier, ça m'a énervé. Aujourd'hui, ça me fait rire. Et est-ce que tu as passé l'éponge? Est-ce que ce qui te faisait mal continue à te faire mal? Si ça te fait mal, donc tu n'es pas guéri. Et dans le domaine des blessures intérieures, il ne faut jamais faire semblant. Amen. Parce que chaque fois que tu fais semblant, la plaie va s'envenimer, la plaie va pourrir et tu auras des complications à la longue. Parce que, imagine, pleurer une semaine, c'est pas bon. Pleurer 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça te déforme. Tu deviens quelqu'un qui ne sait plus être heureux. Tu peux aller dans les fêtes, les gens chantent, dansent, tu regardes. Les gens peuvent même te donner la joie, tu ne ressens même pas la joie. Tu ne ressens plus la joie, pourquoi? Tu as tellement habitué ton âme à être triste que ton âme ne sait même plus rire. Si quand tu ris, tu as des maux de tête, souvent c'est ça. L'âme lutte contre la joie. Tu ris, mais tu as des maux de tête. C'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité entre la joie et la tristesse. Ta nature veut rester triste, mais Dieu t'attire vers la joie. Et ça fait maintenant une contradiction qui donne des maux de tête. La joie te donne la colère. Quand tu es heureux, tu te sens en insécurité. Mais quand tu es triste, tu sens que tu contrôles les choses. Quand tu es en colère, tu sens que tu contrôles les choses. Mais quand tu as la joie, tu te sens en insécurité. C'est un problème de l'âme. Une douleur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une douleur du cœur après avoir été brisé par des choses négatives. Ce qui cause les blessures intérieures, c'est toujours des choses négatives, pas des choses positives. Et Dieu assagit ses enfants afin qu'ils puissent être capables, malgré qu'ils passent par des moments difficiles, des moments négatifs, être capables de toujours trouver le sens, la cause de cet événement. C'est pourquoi, bien-aimés, les personnes sages dans la vie arrivent à transcender les choses qui blessent les autres. Amen. Hein? Là où l'autre dit « Dieu m'a abandonné », l'autre il peut dire « Non, Dieu a un plan. Même si je ne comprends pas, je comprendrai un jour. » Amen. Hein? La sagesse te sauve des choses négatives. Car sur cette terre, nous vivrons un jour ou un autre une chose hein? Négative. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le jour que tes parents vont mourir, tu vas le prendre comment? Parce qu'ils vont mourir, n'est-ce pas? Le jour que tes parents vont mourir, comment vas-tu le prendre? Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Mais quelqu'un qui est sage dit non. Mais le père de tel frère est mort, la mère de telle sœur est morte, tel est mort, tel est mort. Oh, les hommes meurent. Ce n'est pas que Dieu ne m'aime pas, il est écrit dans la parole, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas que Dieu m'aime ou ne m'aime pas, l'homme est appelé à partir parce que seul Dieu est éternel. Tu transcendes ça et tu as la joie, tu as la paix. Alléluia. Mais si tu n'as pas la sagesse divine, les choses négatives vont te blesser. C'est pourquoi il faut enseigner la parole dans sa totalité, car un déséquilibre dans l'enseignement blesse les gens.
Voici, je vous enseigne, je vous dis, quand tu es chrétien, jamais tu auras de problème. Je suis en train de te préparer à des blessures intérieures. Mais si je te dis, tu seras persécuté, tu seras haï, tu seras combattu, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu sera avec toi. Même si on te tue, tu ressusciteras. Le jour qu'il y a une chose négative, tu es déjà préparé. C'est pourquoi la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir. Et lorsque la Bible dit que Dieu appelle Paul, il lui dit, tu souffriras pour moi. Il était préparé. C'est pourquoi Paul n'avait jamais des blessures intérieures. Il pouvait louer et adorer dans une prison. Pourquoi? Il savait déjà que bilouroyo est anormal. Si en servant Dieu, je ne me prépare pas un jour qu'on me mette en prison, je ne me prépare pas un jour qu'on puisse me refuser un visa, je ne me prépare pas qu'un jour on puisse me tabasser, le jour que ça va arriver, je vais dire Dieu m'a abandonné. Mais comme je suis préparé, je ne serai pas stupéfait. Et ça, bilouroyo est à eyer. Amen. Hein? Est-ce que Bible moi pour quoi y est là-haut? Oh, si Dieu m'aimait. Il n'y a pas de problème avec l'amour de Dieu. Lazare était l'ami de Jésus, mais il était mort. Job était l'homme le plus saint de la terre, mais Dieu a permis qu'il perde tous ses biens. Bien-aimés frères et sœurs, par les choses négative. C'est pourquoi vous voyez ce frère, son père meurt et puis vient à l'église, il chante, il lui danse. L'autre, son père meurt depuis qu'il est mort, lui aussi il est mort. Pourquoi? La connaissance de la parole. Pour lui, si tu pries, pas de problème. L'autre, il dit, le bien et le mal peuvent arriver, mais toutes choses travaillent dans le même laboratoire appelé ma destinée pour mon bien. Amen. Dans une famille, ils avaient tout. Papa était riche, il avait tout. Mais pendant que papa était là, les enfants ne priaient pas, la dame ne priait pas. Dieu a pris leur père. Et quand il est parti, les enfants commençaient à prier, la dame a commencé à prier, les enfants sont devenus des grands serviteurs de Dieu. L'homme, avant de mourir, s'est donné à Jésus. Dieu a gagné parce que, un, il a sauvé le père, il est au ciel, et il a sauvé les enfants. Pour Dieu, il a gagné. Mais pour les hommes, il les a fait souffrir. Car ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le petit bonheur que tu as sur la terre, c'est la finalité. Alléluia, c'est la finalité. Et certains, quand Dieu sait que tu ne seras jamais très consacré, s'il n'y a que de la joie dans ta vie, il permettra la peine afin de ne pas t'égarer et te gagner dans l'éternité. Alors les gens qui connaissent ça de Dieu, bénissent Dieu pour toutes choses. Frère, savez-vous que s'il n'y avait pas la persécution de l'église de Jérusalem, jamais Philippe ne serait allé prêcher en Samarie. Il fallait babeter fimbu pour akendotea. Alléluia. Et lorsqu'il est allé, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait des miracles, des prodiges. On a découvert qu'il n'était pas seulement un diacre, il est aussi un évangéliste. L'évangéliste devait être révélé par la persécution. Vous comprenez ce que je dis? Les choses nées négative blesse lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu pries de peur que les choses négatives qui viennent toujours sur la terre ne puissent pas te blesser. Amen. Nous sommes venus ici le 31 décembre. On a loué des choses, loué des choses. On a loué des chaises, du matériel. La pluie entre partout ici. Je veux dire que Dieu m'abandonne. Est-ce que cette pluie était tombée que pour moi? Tu vois? La pluie vient dans une veillée et les gens ont les pieds dans l'eau. Maintenant, tu veux te fâcher. Dieu, ceci. Un, c'est tout Kinshasa qui était dans l'eau. Alors moi, je prends cela comme les signes prophétiques que l'année sera glorieuse. Amen. Hein? Au lieu de dire les attaques des démons, démons d'inondation, démons de ceci. Non, pas démons. C'est le signe qui aura la pluie de gloire et de grâce. Amen. Hein? Je prends le bon côté. Alléluia. Est-ce que nous sommes morts? La vie continue. Amen. Tu dois connaître ton Dieu et tu deviendras un 4x4 spirituel. Nanzube oleki, nangomba oleki, na plaine oleki, nambouteage oleki, 4x4 spirituel. Alléluia. Dans ce monde, il faut être 4x4, bien-aimé. Dans ce monde, il faut être un 4x4. Si tu es une voiture normale, les jours qu'il y aura des montagnes, tu vas t'arrêter. C'est pourquoi vous remarquez
que les gens qui ont connu la souffrance et qui ont pu vaincre la colère et la tristesse qui vient dans la souffrance sont capables de tout affronter dans la vie parce qu'ils ont déjà tout connu. Alléluia. Quand une chose lui arrive, il rigole. Telle chose lui arrive, il rigole. Il a déjà connu pire que ça. Pire que ça. Alléluia. Pire que ça. C'est une blessure causée par des choses négatives. Et sachez ceci, c'est une porte d'entrée des démons. Voici comment le diable travaille. Lorsque le diable rôde autour de toi et il veut entrer dans ta vie et que tout est barricadé, fermé, tu ne pêches pas. Il veut te pousser au péché, tu ne pêches pas. Alors, il sait que lui ne peut entrer dans ta vie que par le péché. Mais tu n'arrives pas à pécher. Il fait quoi? Il pousse maintenant quelqu'un à te faire du mal, à te blesser par une parole, par un comportement, par une circonstance. Et quand la personne te blesse, il vient maintenant te dire, il faut haïr la personne, il faut haïr, il faut haïr, il faut haïr, il faut devenir triste, il faut te fâcher contre Dieu, Dieu t'a abandonné. Et quand seulement tu tombes dans la haine, tu lui ouvres la porte. Et là maintenant, il peut agir. C'est quand vous voyez des chrétiens qui ont des démons de colère. Il a un démon de colère, c'est entré un jour. Imaginez une sœur, elle est chez elle à la maison, elle craint Dieu, et puis il y a la guerre, des militaires entrent dans sa chambre et la violent. Tu vois ça? Elle est sainte, elle est vierge, les militaires entrent, la violent. Parce que dans les guerres qu'il y a là, il y a des choses qui se passent, même des enfants de Dieu, des choses leur arrivent. Maintenant, le violeur s'en va, la parole de Dieu vient et dit « pardonne ». Mais la chair dit, qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi ça? Et le visage de ce violeur revient. Tu dois, naturellement, tu veux le haïr, le maudire, souhaiter sa mort. Mais Dieu te dit de pardonner. Et là, le diable est en train d'attendre. Si seulement tu entres sur le chemin de la haine, de la rancœur, il entre. Et certaines filles violées deviennent frigides. Certaines filles violées deviennent lesbiennes. Elles disent, les hommes sont mauvais, j'ai choisi les femmes. Certaines lesbiennes ne sont pas lesbiennes comme ça. Elles ont été violées par un homme. Et Satan leur a dit, les hommes sont des mauvais. Je préfère que tu sois avec des femmes. Les femmes sont douces. Et elles commencent à aimer les femmes. Et Satan lui donne l'épreuve. Tu as vu? Les femmes sont mieux que les hommes, elles deviennent lesbiennes. Un démon de lesbianisme entre par le viol. Une porte d'entrée des démons. C'est ce que tu appelles ta douleur. Moi, j'ai souvent ma douleur. On m'a fait mal, on m'a déçu, on m'a. Et tu gardes ça parce qu'il y a des gens qui aiment souffrir. Il y a des gens qui aiment souffrir. Je me souviens quand j'étais enfant, on faisait ça. Si tes parents, ça arrive des fois où les parents, ils ne jugent pas bien une chose. Tu avais raison, mais ils donnent raison à ton frère. Et puis tu es triste, tu vas au soleil et tu pleures sous le soleil. Et vous voyez, quand tu pleures, ça fait... Tu connais ça, non? Et ça a bien mauvais. Alors, nous en Kiswahili, on appelle ça Muchimbi. Mais maintenant, quand on te dit calme-toi, tu ne veux pas te calmer parce que si tu te calmes, les va finir. Et comme ça, au moins, tu vas attirer l'attention de toute la maison. Qu'est-ce qu'il a? Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment rester dans la déception. Comment tu vas? On m'avait déçu. On m'avait déçu. Yo, yo, yo. Ta voisine, c'est Tika Biloka Bongo. Aussi au colis. On peut comprendre même une femme, mais c'est un homme. Ah! Une fiancée t'a dit non. Un homme vraiment, au Latik, au Boyama. Pourquoi?
Elle est maintenant avec l'autre. Fais passer ta tristesse. Fais passer ta tristesse. Fais passer ta tristesse. Voici moi le principe que j'avais quand on me refusait. Ah, moi aussi on m'a refusé. Tu es pauvre, tu es pasteur, qu'est-ce que notre fille va manger? Vous savez comment je prenais ça? Ce n'est pas la femme de ma vie. Ouais, je ne le prenais pas sur moi. Oh, tu es pauvre. Je savais qu'elle n'a pas de bon caca. Je disais, c'est pas elle. Cette famille n'a pas connu la grâce. Si Gabriel te visite et tu es Marie, c'est toi qui as la grâce d'enfanter Jésus. Ma soeur, un homme te dit, je ne t'aime pas. Il va aimer quelqu'un d'autre. Bon débarras. Dieu t'a sauvé. Tu ne vas pas pleurer tous les jours. Et tu vas sur Facebook. Tu commences à regarder les photos de mariage de l'autre. Il fallait Zalangaï, Plassoyo. Et on te voit dans la chambre, tu pleures. Pas nous, pas nous, pas nous. J'ai dit pas nous. Pas nous, pas nous, pas nous. Nous, nous avons une destinée. Nous, nous avons un Dieu qui a des projets et qui peut remplacer. Il peut remplacer. Il peut remplacer. Il peut remplacer. Lorsque Saoul déçoit, il donne David. Que Dieu te 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 donne David. Une fois dans ma vie, on m'a pris quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup cette personne. Elle était très importante à côté de moi. On s'entendait très bien. Et un jour, je vais voir une servante de Dieu. Elle me dit, pasteur Marcelo, pourquoi tu pleures tout le temps sur ce jeune frère-là? Dieu t'en donnera des centaines comme lui. Quand elle a parlé, Dieu m'a dit, je t'ai parlé. Et j'ai eu la paix. J'ai pardonné, j'ai oublié. Dieu m'a donné pas des centaines. Des milliers, des milliers, des milliers dans le monde entier. Je trouve des gens qui ont le même esprit que lui, mais partout dans le monde, je les trouve. Bien-aimé, arrête de pleurer. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Arrête d'aimer ta blessure. Et arrête de l'entretenir par le mélancolisme. Car certains, c'est ce qu'ils font. Il est blessé, mais l'homme aussi les chansons maintenant tristes. Tu es triste déjà. Maintenant tu cherches aussi. Quand tu es triste, mets des chansons qui te donnent la joie pour que tu sois dans le contraire de ce que tu ressens. C'est pourquoi David dit, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. Tu démarres ton âme même si ton âme ne veut pas. Il m'est arrivé dans ma vie de venir à l'église, je suis triste. Mais tu t'habilles bien, tu prêches l'évangile, tu rentres, tu dors dans un garage. Garage. Mais tu prêches, Dieu est tout puissant, il va changer vos vies, il va vous libérer. Mais tu dors où? Garage. Alléluia. Arrêtez d'entretenir vos douleurs, d'entretenir vos tristesses par des photos. Il y a des photos qu'il faut brûler. Des photos qu'il faut effacer. Des SMS qu'il faut oublier et effacer. Pas tu relis. Et quittez les groupes des gens qui vous gardent dans un deuil éternel, qui aiment toujours parler de vos déceptions. Bon, c'est le suivi à Moutongo. Ce que c'est pour ça, Koufi. Au sein.
Tournez la page. Tournez la page. La vie continue. Tu es vivant, Dieu est vivant. Tu es vivant, Dieu est vivant. Le plan continue. Alléluia. C'est aussi une maladie. Et je vous assure, mes frères et sœurs, quand une blessure dure, elle rend quelqu'un malade. C'est pourquoi certains, ils ont comme une double personnalité. On les appelle des schizophrènes. Il devient double. Lundi, tu le rencontres, c'est quelqu'un d'autre. Mardi, une autre personne. Mercredi, une autre personne. Lundi, elle aime ça. Mardi, elle n'aime plus ça. Mercredi, elle n'aime plus ça. Des personnes insaisissables qui ont tout le temps des sauts d'humeur. À midi, elle rit. Le soir, elle est en colère. La nuit, elle sourit. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Hier, quand tu l'as vu au culte, il est venu vers toi. Frère bien-aimé! C'était son jour de joie. Aujourd'hui, tu es venu à Snobéo. Un caractère instable où tu passes de la tristesse à la joie au quart de tour. Tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Ça rend malade. Et pire, si ça te rend méchant, c'est quand tu vois quelqu'un devenir un meurtrier. Frère, prendre une arme, tuer quelqu'un, c'est terrible. Il paraît que tous les meurtriers, quand ils ont tué un homme pour la première fois, ils n'ont jamais oublié son regard. Et ils n'arrivent pas à dormir. Certains même, ils vont se laver pour comme s'ils veulent purifier son âme du sang. Mais quelqu'un qui a tué dans sa vie 1000 personnes, il sait qu'il a tué 1000 personnes. Vous pensez que son âme va bien? Son âme est malade. C'est pourquoi les blessures intérieures aussi engendrent la sorcellerie. Un cœur tellement mauvais qu'il peut dire « J'ai tué 20 personnes de notre famille en riant. » Comme si c'était des cafards qu'il avait écrasés. C'est une âme mauvaise où quelqu'un se glorifie du mal qu'il a fait aux gens. « Yé, na nyokole, yé, na nyokole, yé, open a nyokole, mikolo, yé, nyokwama. » Tu es malade. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Ou maintenant, tu commences à trouver le plaisir à faire le mal. Toi, on t'a fait un tout petit peu mal. Mais toi, maintenant, quand tu fais le mal aux gens, tu es un expert. Un expert du mal. Tu sais où commencer et finir quand tu tortures quelqu'un. Tu sais comment tu peux torturer quelqu'un, ridiculiser quelqu'un. Tu sais comment tu peux amener quelqu'un à devenir fou. Tu sais. Ton âme est malade. C'est une maladie. Ne dis pas « je suis comme ça », non. Un homme ne ressemble pas à un démon. Alléluia. Surtout quand tu es chrétien et tu sens que tu as un mauvais cœur. « Yotango salaramutu mabe penza, asantaka penza, na kutani, na mute mamabe asache. » Amen. C'est un désordre intérieur. Ça t'est déjà arrivé d'aller dans un deuil et tu es étonné de ne pas être triste. Vous savez, frères et sœurs, nous les Congolais, nous sommes tous blessés. À force de voir tout le temps des morts, nos âmes sont blessées. Et maintenant, nous allons dans les deuils. Est-ce que nous pleurons encore? Tous les peuples congolais malades. Vous voyez, quand seulement un Américain est mort, le pays bouge. Un Israélien, on l'arrête, prisonnier, tout le monde bouge. Mais il y a eu combien de Congolais qui sont morts dans l'inondation? Vrai ou faux? Inondation, moi, c'est la même chose. Vous avez fait combien? 30, 40. Tout bébé. Quand on était des enfants, on n'était pas pareil.
Quand on était des enfants, tu es allé à combien de deuils? Un ou deux deuils. Mais à force de voir des morts, des morts, des morts, nous devenons comme les gens qui travaillent à la morgue. Pas d'émotion, pas de sentiment. Nous dansons les jours que quelqu'un meurt. Nous dansons autour du cercueil. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, vraiment, ben, si on dit culture congolaise, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ça. Ça, ce sont des choses que même nous, les chrétiens, moi, j'évite. Le jour que mon oncle est mort, j'ai dit que les chrétiens sont méchants. Mon oncle est mort, nous pleurons. Ma tante pleure. Les orphelins pleurent. Mais je vois des soi-disant chrétiens en train de danser autour du cercueil sans émotion. Au moins, il y a des gens qui ont déjà au balou. Ça n'a pas de sens. D'autres causes dans le coin, d'autres rient, d'autres blagues dans les deuils, critiquent, rigolent. Tu rigoles devant quelqu'un qui a perdu son père. Tu rigoles. C'est parce que ton âme est malade. Parce que si ton âme allait bien, tu allais compatir. Tu allais te mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il sent? Après ce deuil, nous tous, nous allons partir, va rester seul. Il pense quoi dans sa tête? Ah, il n'est pas heureux. Alors tu vas te comporter comme lui. Tu restes calme parce que tu sais qu'il va mal. Mais toi, tu vas dans un deuil. Selfie. Et on va dans les deuils, habillé comme si on va à la fête. Mikoloka noir na bangelingeli, surtout ma fille. Habillé sexy, aïe, ne que ma tanga. Ouais. Il faut voir comment même on parle de deuil. Papa moba kufa kikuna. Bien-aimés frères, ce n'est pas normal de s'habituer aux mauvaises choses. Quand tu commences à t'habituer aux mauvaises choses, tu es malade. Les mauvaises choses doivent t'étonner, alléluia, et doivent te toucher. Mais quand ça ne te touche plus, ton cœur devient anesthésié. Ton cœur est anesthésié et tu ne ressens plus ce qu'un homme ordinaire doit ressentir. Alléluia. Si Dieu n'avait pas eu compassion de l'homme, est-ce qu'il allait sauver l'homme? Dieu nous a sauvés parce qu'il s'est mis à notre place. Et si nous, étant chrétiens, on ne sait plus se mettre à la place des gens qui perdent leurs membres de famille de la douleur de l'autre, nous sommes malades. C'est un désordre intérieur où tu ris dans un endroit de tristesse et un endroit de joie, tu es triste. Ce sont ces personnes qui abîment les fêtes. On ne veut même pas les inviter. Tu sais, on ne te donne plus des invitations. Pourquoi? Ozama wa moko. Bébé, ça va fêter à battre. N'a pas photo. Ozaka. J'ai un chien. Mon chien, là, il n'est jamais heureux. Même si tu lui donnes à manger, il te regarde comme s'il n'a pas mangé. Même si, tout le temps je dis, mais ce chien n'a pas mangé. On m'a dit, non, et l'ongambo est à la rabo, go pasteur. Mais l'ongambo, bébé, n'est-ce pas que méditer à solo? Et l'ongambo est à la rabo, quand ça lié, tu. Et il y a des gens comme ça. C'est le mariage de son frère, jour de joie. On dit, c'est la fête, souriez. Tu as un problème. Ton âme est malade. Même à l'église, quand les frères sont en train de louer là. Tu as un problème. Tu vois même l'autre qui rit. Toi, tu es fâché. Tu es malade. Pasteur, tu es qui ça? Tu es fou, tu es pas seka. Oh, donne-moi la main. Le rire, ça guérit.
Rire, ça guérit, frère. Riez dans la vie. Riez, ça rajeunit. Mais toi, tu es fâché. Tu voulais quoi? Que tous les jours, je puisse prêcher, vous irez en enfer. Ah oui, les blessés, ils aiment comme ça. Pasteur, ma taille, bon nom. Je ma course. Pourquoi? On le rejoint dans sa tristesse, il est content. Mais quand vous êtes... Soyez discipliné, frère, dans la présence de Dieu. Alors David, il dansait comme un esclave et Dieu était content de lui. Est-ce que tu es meilleur que lui? Soyez heureux. Là où il faut avoir la joie, tu as la joie. Là où il faut pleurer, tu pleures. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Quand tu es guéri, ton âme est équilibrée. Mais quand tu n'es pas guéri, ton âme est désordonnée. Là où il faut pleurer, tu ris. Là où il faut rire, hein, tu pleures. Là où il faut être content, tu es fâché. Alléluia. Surprise. Ma surprise. Il ne faut pas prévenir Kaba tout. Dis non. Un jour, je vais m'arrêter là. Vous n'avez pas faim, hein? Ah, gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Le royaume de Dieu appartient aux et à ceux qui les ressemblent, aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Et je vous assure, dans le domaine de la guérison de l'âme, nous devons prendre les enfants en exemple. Un jour, le frère Babi m'a dit quelque chose d'exceptionnel. Il a dit, pasteur, aujourd'hui j'ai senti la joie, le bonheur là qu'on avait quand on était des enfants. Eh ben c'est ma boumana. Tu vois, les joies de l'enfance, il n'y a pas de loyer à payer, de carburant, des taxes, d'électricité, l'eau, pas des charges. Tu connais ces joies-là? Et Babi m'avait dit, pasteur, aujourd'hui, j'ai senti ces joies-là qu'on sentait quand on était enfant. Alors, j'ai compris que la joie est liée à l'enfance. Un enfant, tu le punis maintenant, il pleure. Et puis, tu dis, viens, il vient. Il a oublié. Et il peut aller jouer. Va jouer. Et il joue. Tu deviens, il vient, mais un adulte. Hein? Les adultes perdent leur joie pour rien. Il va dans une fête, bien habillé, invité. On le place même à la place d'honneur. On sert le Fanta, on l'oublie. Il commence à regarder les autres tables. Il commence à dire, pourquoi moi on m'a oublié? Et puis maintenant on lui dit, on ne te respecte pas, on ne t'honore pas. Ils t'ont invité pour t'humilier. Pourquoi ils ont servi sur l'autre table et pas moi? Et pire maintenant, si en plus du sucré, on oublie de lui mettre la nourriture. Une nourriture qu'il mange à la maison. Il en a à la maison. T'es Et il y a des familles qui se séparent rien que pour na l'opel. Donc on a qui fait tu wana ba yamba ke biso biente yango libota e kabwani buzoba mikolo. Mais l'enfant, tu lui donnes pas le sucré, il va venir boire ce que tu es en train de boire, il oublie. Soyez des enfants. Quand tu as un cœur d'enfant, les choses te blesseront pas. Mais ce que nous avons collé, au koyamba, au kozwandeko. Pourquoi? Parce que l'homme, l'adulte est sensible. Il comprend tout. Des fois même au-delà. Des fois même il y a rien, mais l'adulte voit. Bayokana kinzora bayeba ni kutute. J'appelle ça des balles perdues. Dites balles perdues. Il y a des blessures que tu peux avoir et puis tu en sors
parce que vraiment quelqu'un voulait te faire le mal. Mais il y a d'autres. Koutou, ils ne t'ont rien fait, mais toi-même, tu t'es fait des idées, et tu es blessé par les idées. Tu arrives seulement à un endroit, les gens se lèvent et partent. Baki minga. Zoka R et Koka qui ba kende. Pour Nazaka Mutumindu, mindele ba raciste. Mindele ba raciste. Mouni ba racisme. Oui, beaucoup d'Africains, c'est ça. Pour un rien. Racisme, racisme, racisme. Tu te fais des idées et des idées et des idées et des idées. Et tu es blessé par les idées. Balles perdues. Dans les vides. Soyez comme des enfants. Aimer comme des enfants. Qui est sûr que ses enfants l'aiment ici? On sait toujours. Nos enfants nous aiment. L'amour d'un enfant, tu n'as même pas à réfléchir. Le pardon d'un enfant, tu n'as même pas à réfléchir. Tu sais qu'il t'a pardonné. Mais l'adulte, il peut dire qu'il pardonne mais n'a pas pardonné. Soyez des enfants. C'est une plaie de l'âme qu'on ne voit pas et qui a et qui, à la place du sang, fait couler des larmes. À la place du sang, quand quelqu'un a des blessures intérieures, il pleure. Pourquoi tes larmes sont si faciles? Pourquoi tu pleures facilement? Des fois, des larmes faciles révèlent des blessures cachées. Des fois, certaines personnes qui pleurent beaucoup dans les deuils, souvent ce sont des personnes blessées, qui ont accumulé tellement de problèmes. Et pour terminer, voici l'exemple. Absalom était le fils de David. Et il avait une sœur qui était très belle, qui s'appelait Tamar. Son demi-frère Amnon désire sa demi-sœur Tamar. Et son ami l'aide à avoir Tamar. Je ne vais pas entrer dans les détails. Amnon finit par coucher avec Tamar et la viole. En ce temps-là, les femmes vierges portaient des tuniques multicolores, signe de l'amour de leur père, mais aussi de leur virginité. Et lorsque Tamar sort de la chambre d'Absalom, elle sort en pleurant et en déchirant ses vêtements de vierge et en mettant la cendre sur sa tête, révélant qu'elle était violée. Absalom manifeste comme une maîtrise de soi. Il y a des fausses maîtrises de soi. Amen. Hein? Certaines maîtrises ne sont pas des maîtrises, mais ce ne sont que des blessures. Il manifeste une maîtrise de soi. Il dit, est-ce que ton frère Amnon était avec toi? Il dit oui. Et il dit, garde-le, ne dis rien. Et la Bible nous dit qu'il ne parla ni en bien ni en mal. Il est resté neutre. La neutralité des fausses y cache des blessures. Ni en bien, ni en mal. Et voilà que David, le père, est au courant. Mais il n'a pas été très dur avec Amnon. Il ne l'a pas sanctionné comme il faut. Et voilà des causes des blessures. Tamar est blessée parce qu'elle est violée. Elle a perdu sa virginité. L'inceste l'a blessée. Mais Absalom est blessé pour deux ou trois choses. Il est blessé par l'inceste, le viol de sa sœur, mais il est aussi blessé par l'injustice de son père. Il sent que David aime beaucoup Amnon au point où il n'a pas été dur avec Amnon. Et il garde cela dans son cœur. Et la Bible dit, 2 ans après, dites 2 ans. Pendant 2 ans, la blessure est vive. Kololi kamboku tabosana. Amen. Hein? Tamar qui est violée ne demande pas vengeance, mais Absalom entre dans cette histoire pour se venger. Et quoi? Il ne va pas chercher à blesser seulement Amnon. Tuer! Vous imaginez? Vous savez pourquoi il arrive à penser au meurtre? Parce qu'il a fait 2 ans. 2 ans de blessure. C'est suffisant pour que le diable te parle et te disent de faire des choses abjectes. 2 ans. Et moi, pour ma part, il ne voulait pas seulement tuer Amnon, il voulait aussi tuer David. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il a invité même David à la fête. Est-ce qu'il pouvait tuer Amnon devant David? Donc, il voulait les tuer les deux. Il voulait tuer son propre père
parce qu'il était seulement injuste. Mais c'est aussi la fille de David. Non, lui, il aime Tamar plus que son père. Et il décide de tuer Amnon. Mais je crois aussi de tuer son père. Mais comme le plan de Dieu était sur David, David refuse. Et là, il tue Amnon. Et l'ami qui a poussé Amnon à commettre le viol, lorsqu'on donne une fausse information à David lui disant que tous tes fils sont morts, il vient de donner la précision. Ce ne sont pas tous tes fils. C'est Amnon qui est mort parce que Absalom, depuis qu'Amnon avait violé sa sœur, avait décidé de le tuer. Une décision qui prend 2 ans. Il se peut que lui a tué physiquement, mais toi, c'est quelle décision que tu as? Une blessure peut t'amener au meurtre. Et pas seulement au meurtre physique. Une blessure peut t'amener à enlever quelqu'un de ta vie. Pour Dieu, tu l'as tué. Quand tu dis Moutana, l'homme n'a vu n'angaï, a bossa n'angaï. D'autres n'ont pas de koufi koyate. Tu l'as tué. Pour Dieu, tu es un meurtrier. Au dernier jour, Dieu te jugera. Meurtrier. Seigneur, je n'ai tué personne. Tu as tué quelqu'un. 2 ans. Frères et sœurs, je suis convaincu que pendant 2 ans, Absalom causait avec Satan. Les blessures intérieures nous poussent à causer avec le diable pour prendre des décisions de vengeance. Comme il m'a blessé, moi je vais le blesser x10. Comme il m'a fait ça, je lui ferai cela x20. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Absalom? Il n'a pas pu tuer David. Et il a fait même un coup d'état. Depuis ce jour-là, il a décidé de remplacer son père. Mais il a fini comment? Tué, attrapé par un térébinthe au niveau de ses cheveux. On lui a mis des pieux dans le cœur et on a pris des pierres, on a mis sur Absalom. Il est mort comme un chien. Bien-aimés frères et sœurs, garder une blessure te blessera. Garder une blessure te blessera et fera de toi une personne invivable. Tu seras comme un porc qui pique, une personne que tout le monde évite parce que tu blesses quiconque s'approche de toi. Pendant ce Alpha 40, prenez le temps de prier sur vos vies et de demander à Dieu de vous guérir par son onction, par son amour et sa sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment.